ils sortent de leur boîte, ils prennent les photos. La question, c'est comment ramener. La chasse. Hey, what's up? Here, Dolphin Cakes. Today, I'm going to Quebec City. I'm gonna go see, make some deals over there. I wanna check out some stuff because maybe we're gonna have a pop up there. And after that, two weeks from now, I'm going to Vancouver Sneaker Con for a first time over there. So yeah, right now I'm just trying to get ready, get the stuff ready to go there before because there's a big snowstorm today. So I'm just trying to get ready before we get there. I bring maybe like a jacket or two because it's gonna be cold. And after that, I will also try some spots because I know in food, there are some good spots in Quebec City. So yeah, I'll go over there and I'll see you later when we get into the lift. Okay, just arrived to Quebec, just arrivé à Québec. Là, on est à l'Université de Québec. We are at the Quebec University of Laval. And now, maintenant, on doit aller là-bas. Qui est le downtown Québec où j'ai mon spot. Where I have my spot. Je crois que ça va être la première vidéo en franglais qu'on va faire parce que on est à Québec, fait qu'on quand même represent. We gotta represent. So today is gonna be, well, this video is gonna be in both French and English. And then yeah, right now I'm waiting for the Uber. We're gonna go down then. After we're gonna go to call a place called Place Laurier here in Sainte-Foy. Sainte-Foy is like the Laval, la banlieue de Québec. Fait que là, je vais prendre mes trucs et on va y aller. J'attends un Uber. All right, so I just arrived in the Airbnb. I'm gonna show it to you guys. Here we have a little toilet with some glass window and everything. And yeah, it's pretty small since I'm not staying here for a while. The little kitchen right here, my computer started working and stuff. Here, here's one of the most popular streets over there, they told me. It's Saint Jose. And yeah, here's this little corner. The view is not that great. And then I have the bed right here that I gotta pull down. It's like something I like. Yeah, it moves like that. So yeah, that's pretty much the place where I'll be for the night. Yeah, it's focusing. And yeah, it's pretty nice. I'll do a little game over there. And then yeah, I'll see you later. Later I'm going in the mall to meet the people from Quebec here. So yeah, I'm gonna eat something and then I'm gonna go over there a bit later. See you there. What can I do actually, like? Kind of like, and also right now we're going to downtown and yeah, and after we're going to Place Laurier, meet the boys from here. It's, as you can see, it wasn't the best day to go outside because yeah, it's pretty snowy, but we dolphins out here, we don't care. We just go around. On y va. Hey, tabac. Hey, j'ai rien dit. Une des rues les plus soi-disant populaires. One of the most popular streets here. So yeah, we're checking this out. Because y a une rue qui est un peu plus, comment dire, touristique, surtout l'été. Ben, pas mal l'été, parce que personne vient ici. En ce moment, parce que comme vous pouvez voir, c'est pas il y a pas la meilleure température. It's not the best weather to come at here in Quebec. So yeah. All right, so I just called my boy Olivier. What happened is that here in Quebec, there's la haute ville and la basse ville. Il y a la haute ville et la basse ville. La basse ville, moi où j'étais, c'était la rue Saint-Joseph. Saint-Joseph, il m'a dit, ça se compare un peu à Saint-Laurent de Montréal, où il y a les bars, ces affaires-là. Puis il m'a dit que qu'est-ce qui se compare plus à comme Sainte-Catherine, c'était la rue Saint-Jacques, quoi, mais qui est en haute ville. Fait que là, moi, dans ce froid, déjà, faut que j'arrive à me repérer. Puis en plus de ça, faut que je monte. Vous voyez ça? Même moi, je vais aller là. Avec ça. Let's go! It's even colder than Montreal.
C'est vrai, c'est encore plus froid que Montréal. I just found some stairs. Je viens de trouver les escaliers qui vont nous faire monter à la haute ville. Donc là, on essaie de monter ça. Une marche à la fois. Yeah! Hey, je suis de retour. Puis neige. C'est ça. Fait que là, on vient d'arriver avec le bain. Puis là, on vient d'arriver. On vient d'arriver où. Ici, on est à Laurier, c'est ça? On est au la place Laurier. On essaie de chercher les autres gars. Puis ils sont juste là. Ça va avec Léo? Ça va? Ça va, bro? C'est bon. Fait que là, ok. Man, je suis tout long, on va peut-être acheter les affaires. On va checker là. Ok. Ça va être hard pour moi, absolument. First deal, we bought a Stony long sleeve, and then. Let's go. Sam pour GGNN, on a dit. Voilà. C'est bon. On vient de faire un deal pour le Stone Island. Puis des. Puis un guest. Non, c'est juste un guest en main. On est dans la place de la cité à Québec. C'est ça. On est à Québec. À Québec, c'est comme Montréal, mais plus petit. Puis. Ben, ça parle français. Mais vraiment comme un Québécois. Puis à Montréal. This is sick. So I had to pass by Simon's. Right now, I'm buying a white tree jacket. I'm gonna post it later on Instagram. It's pretty sick, it's pretty clean. Like for late nights, it's pretty hot. Dolphin hot, no sense. Alright. Guillaume aussi, ça se peut que je le vois. Guillaume, il m'a dit qu'il était venu avec ses Air Max Air Yeezy là. Ouais. Ouais. Fait que le premier qui voulait pas être filmé avec le guest, et ça. Guest. Air Max, that's it. Oh man, goddamn. Moi, c'est Acne Studio, Daniel Patrick, la petite chaîne Gucci. Avec les Yeezy, c'est ça. Après. C'est ce que je dis? Ouais. Vincent d'Amérique, et Acne Studio, dans Promart. Tu parles à ok. Oh, ok. Faut spot, ok. Kenzo Paris, man. LV. Trash. Adidas. Yo, so. Little Alpha Ren, plain t-shirt. Ouais, c'est un t-shirt, y'a pas de hood. Lilo Spence, Vintage Boy, Young 96. Oh man, got him. Sal. La chasse, ouais, la chasse. Puis la chasse. So hello, right now we're in a basement. We're a big single here in Quebec. We're working on doing a cash out. He doesn't want to get he wanna stay anonymous, so yeah, we're working on this. We're probably looking to buy all this and there's more upstairs. So yeah, right now we're more checking, but yeah, there's some heat right in here. Ouais, genre, faut que tu dises c'est quoi les systèmes, genre. Okay, ouais. C'est une vidéo. La photo. Hein? MCP, Metallic Parka, 900 balles. OG Messenger Bag, Woody, 600 balles. MCP, Mop Fire Woody, 200 balles. Max Plus, 200 balles. Damn! Avec les AirPods, 200. Ouais.
Alright. So, on vient juste de finir de manger avec Rousseau. Il est resté depuis le début. Fait que là, on va appeler Hubert. Moi, je vais retourner chez moi. On va peut-être se revoir demain. Puis, ouais, parce que là, on vient de manger. Comme vous avez pu voir, c'était assez appétissant. Ça s'appelle les Trois Brasseurs. C'est à Québec, dans le centre de Laurier. Exactement. Fait que si vous venez à Laurier, venez aux Trois Brasseurs parce que c'est bon. C'est un peu cher, mais c'est la vie, là. Fait que là, on va appeler un Hubert parce que les Hubert prennent 2 heures à arriver ici à Québec pour une raison que je l'ignore. Fait qu'on va se voir tout à l'heure au Airbnb. Bien, il y a le shark, on a fait un trade. Ok, c'est ça. Fait que dernière minute, on allait partir, mais finalement il est arrivé. Yo, on a get la belle shark. Babe. On a fait un trade. Ouais, fait que c'est la dernière minute. Là, faut que... So, just arrived back at the Airbnb. Yeah, I'm going to unpack all of those brand new Jordans. Here we'll have the brand new infrared sixes before the release. So, yeah. And I'll show you the rest. Hold on a minute. Mais ça, c'est pour plus tard. C'est pas sûr encore. On va voir ce qu'on peut faire comme deal. Là, on vient d'acheter quelques paires de Jordan directement. Gold toe. On a acheté des gold toe. On a acheté les fours. Il y a pas vraiment de place ici. C'est quand même un et demi, je crois. On a ça. Fait qu'on vient avec un méchant restock à Montréal. Parce que c'est ça qu'on aime, des restocks avec des steels. Encore des 6 infrareds. Pour ceux qui savent. La boîte, encore une fois, une autre paire de Legend Blue aujourd'hui. 2 en 1. Je vais pas ouvrir la boîte parce que vous savez c'est lesquels. Mais je dis encore merci, man. Yeah, man. Merci, man. Yeah, man. Toujours, à chaque fois qu'on se rend compte, on fait un deal quick, easy. Puis en plus de ça, on a acheté de notre côté la boîte Supreme. Puis on retourne, tu nous as donné, ouais, au magasin. C'est ça. C'est tout. Maintenant, la question, c'est comment ramener tout ça et tout ça à Montréal demain. Alors, what's up? Deuxième jour à Québec. First thing. The fit. Aujourd'hui, je porte les 700 à mes shoes préférés cette année. Le pantalon, c'est un no brand, mais avec les buckets on the side. C'est un matériel comme déconstruit. Après, Gucci scarf. J'ai un Stone Island long sleeve à l'intérieur. Le TNF to keep me hot. It's only like a sleeve, you put it inside. It's super hot, c'est vraiment chaud. Puis derrière, j'ai White Tree. Puis là, je vais mettre la tuque centrale. Puis là, on va se préparer. Je vais faire un autre petit cash out. Puis ça, c'est qu'est-ce qu'on a acheté hier. Puis je vais aller acheter d'autres trucs maintenant. So right now, I just arrived one. So it's a shoe shop, clothing shop right here in Quebec. So yeah, they have a good selection in Vans, and yeah, c'est pretty cool. Alright, so last day in Québec, dernier jour à Québec, j'ai trouvé un package deal, j'ai trouvé quelques paires comme ça, des Vans NASA, puis ouais, c'est une paire de Vans qui a sold out, elle est assez limitée, et ce sont difficiles à trouver, fait que j'ai réussi à trouver un package deal, fait que j'ai acheté comme une dizaine de paires, qu'on va amener ça au shop. Justement parce qu'on n'avait pas beaucoup de paires à Montréal. Fait que je vais m'en assurer d'en apporter à Montréal. Fait que là c'est ça. J'ai plusieurs paires qui est là. Maintenant il faut que je les sorte de leur boîte, que je prenne des photos. Là il y a encore toutes les paires de Jordan que j'ai acheté hier. Fait que là, je suis à Québec. Je vais encore rester une autre nuit finalement ici. Parce que c'est justement, je prévoyais pas acheter autant ici à Québec. Fait que là le transport est assez compliqué pour retourner à Montréal. Fait que je me suis arrangé pour avoir un transport demain matin. Assez tôt. Fait que c'est pour ça que je vais rester une autre nuit ici. J'ai réussi à rester dans le même Airbnb. Ouais, merci encore Airbnb. En tout cas, c'est pas sponsorisé, mais je trouve que Airbnb c'est un bon service qu'il y a. C'est sûr qu'à chaque fois que je vais dans une autre ville, si je vais pas dans un hôtel, c'est bon pour un Airbnb. Puis là, je vais voir, peut-être que je vais retourner au Laurier pour mes gars, parce que ça se peut qu'il y a d'autres liens. Mais j'avoue que j'ai assez surpris. Merci beaucoup Québec. J'ai acheté beaucoup des gros sneakerheads ici. Beaucoup de gens qui sont dans le sud.
streetwear. Fait que c'était assez hype. Puis c'est ça, on va se revoir à Montréal. Puis à Montréal, soyez prêts pour cet été. J'ai quelque chose de gros à bientôt annoncer. So yeah, after a few hours, I just calculated everything I bought from Quebec. I spent around 5,000 right here. There's more also in the back. So yeah, that's pretty much the cash out. All the shoes are there. But yeah, but all this, and the cool thing is, like I showed you yesterday, is that we got this. All right, so now I'm leaving from Quebec. It's 5 a.m. in the morning. I'm just packing up the few shoes we still have right here in the bag to bring them back from Montreal. When I get back to Montreal, I have to price them all, put them on the shelves at the shop so it can be ready for the day. So yeah, that's the first thing I have to do. After that, I have to actually wake up because it's 5 a.m. and I have to up until 10 p.m., midnight. Night. So yeah, it's gonna be a big day because I'm gonna try to sleep in the car, but it's kind of hard for me to sleep when something's moving. So yeah, see you back in Montreal, and there's something planned. I can't tell a lot about it, but there's something planned, an event that's going to be at Central Montreal. So keep yourself updated for that. You'll definitely for sure be a part of it if you're in the, already in the Central For Us group on Instagram, on Facebook. And there's another group on Facebook that this one I can't talk about it at all because it's kind of a secret. And yeah, just check it out. If you're in any of those groups, just be sure to come in for the event. I'm gonna post some information soon. You guys are gonna like it. It's gonna be some, I can't really say too much, but it's gonna be some great stuff. All right, see you back in Montreal.